fais judge de table. J'insiste, du coup, pour 3. Termine son tour. Tant qu'il est sur le terrain, toutes les autres force. Cost 3 ou moins gagnent plus 1 d'attaque. Call. Tac, tac, c'est à toi. 23, 33, 41 ton regard. Ah, j'ai pas trigger, 10 sur lui. Alors, pas grand chose à voir cette game, je vous dis d'avance. Alors, 23, 31 sur ton. S'il est détruit, je reste en un de mes démons qui reste et je mousse sur le fort dans lequel il était. Si lui est détruit, bon tu connais, je pète une de tes. Je me pète une de mes propres fleurs. Ok. Maintenant que j'ai mis ça sur le terrain, t'as plus qu'à faire un fil contre pour finir la game. Sinon je démarre avec une main qui abomine. T'as pareil de G3 et sans toi. Donc je gros. Stand. Du coup, pour un noble 3, regarde. Rist. Ah, bien sûr. C'est pas bon. Tac. Du coup, Rist attaque ici, effet. J'enlève la carte du dessus si c'est un cost 2 ou moins. Donc elle gagne le power qu'elle met sur le cost. Si c'est un cost 2 ou moins, je peux l'invoquer comme c'est Rist. Elle part en dessous. Et puis du coup, bah. Il y a une jambe comme ça. J'ai pensé à toi pour ça, ce deck. C'est bien. Restante tes cartes. Et alors, de moins. Le problème, c'est que c'est du jaune et j'ai. Tellement limité en termes de. Bah, vu que tu joues. Tic à trigger. J'avais tenté de me confondre. Sur l'instant, ouais, un petit cartier. Le premier démon que je joue durant le tour a un cost de 1 de moins. 36 crit 2. Impossible. Ensuite, 13, 21. Je trouve les deux. Ah putain, mais c'est 31 crit 2. Excuse-moi. Non, non, j'ai essayé à cause du chiffre. On va changer la tactique avant que je la contrôle. Je commence déjà à pas faire. Le sort de Rist, c'est je regarde le top deck. Si c'est un démon ou un gobelin, j'inflige 2 dommages. Et vu que j'ai un dé à moins de 3 noirs, ce sera 3 dommages. Prends 3 dommages. Okay. De là, de 1. Je joue celui-là, donc il diminue le cost du machin. Ensuite, ça me permet de jouer elle. Et du coup, j'active son effet, je défausse un gobelin. Et j'inflige de dommages à une créa. Tu me mets sur qui le tout, c'est tout, toutes tes créas sont en mode passe temps au prochain tour. Du coup, on avance. Et du coup, de là. Reconnais, je vais mettre la co. On laisse partout. Ok. Et. Ok. C'est à toi. Voilà. Impeccable. Ouais. Bah écoute, pas trop chaud. Pour 5, je reste une niche. Les trois premières, chaque, je peux invoquer tous les grades 2 ou moins. Je peux activer les effets de toutes les cartes. Toutes les cartes. Le cost 3 ou moins. Du coup, Dismantle, je choisis une créature qui va être reste, donc la baleine, et je pioche une carte. Ensuite, Reckless Rider, qui arrive sur le terrain. Okay. Lorsqu'il arrive sur le terrain, j'affiche 3 sur une carte si elle ne s'est pas invoquée de ma main. Mm-hmm. Oui.
elle qui va dégager. 23 crit 2. 33 le dernier. Ouais. Flamethrower dragon, à la fin du tour, elle reviendra. Hein. Et si elle est Dragocross, le dé qui était mis sur elle, je relance le dé, je le mets sur le fort. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je choisis un cool. 3 de mes cartes. Il faut que je dépose des cartes de ma main. J'en ai plus de 7. Et fait, comme le monde bleu est de 1 ou 3, tout le monde est mis en reste. Et tout ton terrain est paralysé. Je charge. Je passe 5. Ouais. 4. Ton vanguard ? On garde. 4. Trigger. Okay. Draw sur Vanguard. Pour 2. Pour Vanguard, alors 26, 36, 66. 36. Je suis nerveux à 20. Cross, du coup, il fait 45. L'autre à 45. L'autre à Barillet à 23, 31, 61. 66, 61. Et ben, C'est un copain golem. Non, c'est un démon. Lui, c'est un démon. Il a tronché un golem, mais. C'est rigolo, ça. Surtout pas, c'est ça, je dis. S'il vous plaît. Ensuite, pour un, je coupe ça, je vais infliger un dommage à celui-là. T'as fait fait ? Ouais. Ok. Donc 61. 52. 62. Ok. Lui gagne plus 1 pour chaque gobelin dans la drop. Ouais, dans la drop, ouais. Et lorsque j'attaque, il a overflow aussi, c'est intéressant de le dire. Mmh. Et lorsqu'il attaque, je suis obligé de meuler la carte au-dessus de mon deck. Mmh. Tu veux crever mon bonhomme. Ce que j'en pense, c'est. Lui, il a 4 points. 4 points. Avec l'effet de Burgo. Ah, c'est compris durant mon tour. Oui, c'est pendant tout, ça en continu. Okay, par contre, je me suis planté, c'était 2, soit c'était 61 ici aussi. Ah, on cross lui, du coup, il est à 2-2 de base et il gagne encore plus 1 plus 1. 40, ok. Bon. Je tape pour 2 CD. T'as fait garde. Je tape pour 4 CD. Tu vois. J'attaque ici. Ok. Tu vas pas mettre la carte du sujet avec. Ah, si, exact. 47 crit. Et enfin. 47 crit 2. L'autre est à 53. Il bloque. Donc, crit. Ça prend 47. 28. 38. Oh. 48. Voilà. Beau garde. Ah, les deux derniers. C'est bon, j'ai triomphé sa chatte. Deux derniers, il était premier essai. C'est pourtant, je m'avais dit, je m'avais un cochon. Moi, à peine. Je t'ai même pas vu transpirer. Normal. Peut-être à cause de la barbe rousse. Qu'est-ce qui fait dire ça ? C'est à cause de la possibilité en ah. Pour deux, c'est presque ça. Mm-hmm. Si tu fais une frappe, mm-hmm. Quand je la vois, je faisais une carte de ma main, ça me rend compte. Je vais prendre 20 minutes, moi, parce que là, je suis en train de crever de chaud. Je fais ça. Pour 2. Je fais ça à la lande. Ouais. Je me dis, il manquait quelqu'un. Ouais, c'est encore une surprise. Pour 3. Mm-hmm. Je me gloss. Il y a une piscine, il y a une Fais gloss.
pour chaque créature rouge sur mon terrain, j'inflige un de dommage que je répartis sur n'importe quel monstre en face. Oui, tu peux mettre deux. Je te mets trois. Parce que l'eau se compte elle-même. Ah oui, ouais, ok. Du coup, lui dégage. Et lui, alors lui, c'est pendant ton tour aussi. C'est que pendant ton tour ou ça aussi pendant le... Non, c'est en continu. Quand on peut aller chercher à manger après ça. Non, ça c'est continu durant les deux tours. Ok. Hein? J'ai détruit quand même les deux là. Okay. Effet de lui. Ouais. Je choisis un de mes démons. Tu me sens bien. Ouais. Non, je ferai ça. Okay. Oui. C'était filmé ça. Ça m'a utilisé. Demain, moi, je leur fais. C'est pas un problème. C'est de mon cœur, tu vois. Ah, mais ça tombe. On a bien senti que ça venait du cœur. Je commence. Ah, des frites. Oh. Eh, McDo Allemagne ou McDo français? McDo français. Ici. Ah, si. Pas loin de la bonne sauce. Wow. Ce sera fibré. Et puis voilà, fin du tour. Elle remonte en main. Et je relance. Ouais, t'as pas dans les bras ou quoi? C'est magnifique 2, je reviens. Ah oui, ouais. Je vais jouer par un autre dé. Le 2, j'en ai qu'un de l'eau. Là, ça va. J'ai encore les deux là. Ouais, mais c'est le dernier fort, tu vois. Ouais, c'est sur un dragochit que je fais les dégâts, pas sur un monstre. Ah oui, c'est vrai, Du coup, j'active Anony Alliance. Donc, effet, je check mon top 5 de cartes. J'ajoute un démon. Et. C'est fort ça. J'ai cherché un gobelin. Et là. C'est abusé par contre ce que j'ai. Donc juste pour montrer en fait, donc comme lui gagne plus 1, bah là je viens de rajouter un +3/+3. Instantanément. C'est pas mal. Donc les deux là j'ajoute à ma main, le prochain démon. Carte de la BT4, Surge of Titan, disponible dans tout bon magasin. Qu'est-ce que je veux dire lui il a 4, 2, 4, 4 de def. Elle est à 4-5. En total, 4, 5. Parce que Bordeaux, c'est aussi pour, c'est pour tous les deux, 3. Du coup, 4, 5. 4, 5, 6, 7, donc lui, il est à 8, 9. Ah, je sais pas qui écraser. C'est ta mère. Il est à... Oh, c'est méchant. Je vais écraser. Je t'accorde à ton hangar. Comme j'ai deux cartes en main, je pense que je vais en avoir 4. Ouais. Ah bon, 18-21 ton gars. Et non, en fait, parce que du coup j'invoque ça gratuitement. Parce que la terre est en alliance, ensuite j'invoque ça. Voilà. Et enfin. On tire avant mon attaque. Du coup, j'attaque. Tu peux pas t'aider ? Oui, il n'y a pas besoin, je suis pas besoin. Donc là j'attaque le dé là, l'overflow donc il est à 8-9, donc à moins 1 ça fait 7 et j'inflige donc 7 dommages à une de ces créatures. C'est vrai que j'ai oublié l'overflow. Ah, et j'inflige les dommages sur cette carte là. J'ai oublié de dire j'utilise. Du coup j'attaque. Red Vanguard. Voilà. Imaginary Lift.